qu'avaient vécu les partis civils représentaient nécessairement la norme de ce qu'avaient vécu les Cambodgiennes et les Cambodgiens pendant la mer Rouge. C'est peut-être le cas, mais ce ne serait tout simplement pas notre rôle de dire cela. La question de l'absence de serment des partis civils continue de faire couler beaucoup d'encre, alors qu'elle a été tranchée de manière définitive par votre chambre et que la Cour suprême a validé votre approche. Les partis civils, j'ai l'impression de l'avoir dit mille fois au cours de ce procès, sont des partis, à l'instar des accusés, et elles ne prêtent donc pas serment quand elles viennent déposer à la barre. La Cour suprême a d'ailleurs rappelé ce parallèle entre déposition des accusés et déposition des partis civils. And the testimonies of the civil parties. Ce n'est pas parce que les partis civils ne veulent pas prêter serment, to take an oath. C'est qu'elles ne peuvent pas, tout comme Nunchia et Que Sampong, ne pourraient pas faire le choix de témoigner sous serment. Under oath. Soyons clairs, let's be clear about this. Rien, nothing, aucune règle, no rule, jurisprudence, no jurisprudence ne vient soutenir la thèse de la défense de Nunchia. Defense, qui nous dit que les dépositions des partis civils auraient moins de poids que les témoignages des témoins par le simple fait que les partis civils ne prêtent pas serment. Cette affirmation est tout simplement fausse. Les partis civils ne demandent aucun traitement de faveur, mais elles souhaitent que leurs dépositions soient traitées justement dans le respect des règles de procédure en vigueur au sein de CETC. Comment prendre en compte l'oubli ou les imprécisions inhérentes au passage du temps? Inherent inaccuracies due to the passage of time. Ces questions seront nécessairement au cœur de vos discussions lors de votre délibéré. Comment évaluer la crédibilité et la fiabilité d'un témoin ou d'une partie civile 40 ans après les faits? Et évaluer la part d'expérience personnelle et la part de mémoire collective dans les récits qui ont été livrés à la barre. Presented to your chamber. Contrairement à contrary ce que semble nous dire the defense la défense, us, ces questions these questions qui sont pertinentes et importantes and important se posent pour toutes les personnes qui sont venues témoigner à la barre, to before this les parties chamber, civiles, civil parties, les témoins à charge, but les témoins à décharge. As well as defense witnesses. Pratiquement toutes les personnes venues témoigner who came to testify ont été touchées par ce qu'on appelle la propagande des années 80. The propaganda of elles 1980s. Ont lu la presse, écouté la radio, they've read the press, ont été exposées they listened to the aux récits d'autres personnes with the ayant vécu of pendant le régime du Kampuchea démocratique. Elles ont été interviewées they par DCCAM. Et cette question, and je crois, s'applique à toutes les personnes to que vous avez entendues. La Chambre a majoritairement entendu des partis civils âgés, who are relatively venant des aged, campagnes, coming from the countryside, souvent illettrés. Often illiterate. Ces Cambodgiennes These et Cambodgiens Cambodians viennent d'une génération, generation appartenant encore au Cambodge traditionnel, which traditions prevailed, fortement hiérarchique. And in which there was a strong venir sense dans une of salle hierarchy, d'audience, coming faire into face a courtroom, à des juges, facing judges, assis en surplomb sur une estrade, sitting on a stage on répondre top of that, à des questions posées par des personnes put en robe, people dressed par des avocats ou des procureurs by étrangers, or by foreign n'est pas quelque chose de neutre pour ces partis insignificant. Vous devrez nécessairement inscrire votre analyse de la valeur probante de leur déposition dans ce contexte culturel précis. La prise en compte du contexte culturel est particulièrement importante pour la question suivante. La jurisprudence internationale semble assez homogène quant au fait que le flou qui entoure les détails details are often ne secondary details which are often vague apportés, do not discredit the testimonies provided and therefore it is necessary to make a difference between what is secondary and what is essential. L'important and d'un récit it is du secondaire. And to consider the importance of what is secondary. Monsieur le Président, Mr. vous avez donné à la défense une grande latitude, great latitude dans ses contre-interrogatoires. In their cross-examinations. La défense a passé de nombreuses heures à interroger les témoins et partis civils witnesses sur and civil parties les noms, on the les names, dates, the dates, les distances. The distances.
Est-ce que dans le contexte culturel cambodgien, ces éléments constituent l'accessoire ou le principal? Are these elements essential or are these elements secondary? Des imprécisions sur ces points doivent-ils discréditer le principal, what is essential, c'est-à-dire l'essentiel du récit? Core of what, of the accounts? Quand la défense de Nunchia conteste la fiabilité de la déposition de Saïsen au motif qu'il ne se souvient pas des noms de ses compagnons de cellule, est-ce que cela fait sens dans le contexte cambodgien où les noms n'ont pas du tout la même importance que dans nos cultures occidentales? Ce qui est important pour M. Koppé est-il important pour M. Saïsen? Pas sûr. I'm not so sure of this. Dans la même veine, quand quelqu'un a vécu une expérience traumatisante, quand il a réchappé à un massacre, quand il a été emprisonné, torturé ou violé, quel est le principal du récit et quel est l'accessoire? La jurisprudence d'autres tribunaux internationaux a considéré qu'on ne peut raisonnablement attendre de survivants d'expériences traumatisantes de se souvenir de détails précis ou de détails entourant ceux de l'incident. Pour répondre à toutes ces questions, la réponse, vous l'avez déjà trouvée dans le dossier 2.1 et la Cour suprême a validé votre approche. Vous devrez évaluer les dépositions des parties civiles au cas par cas. Chaque partie civile a une histoire et des motivations personnelles qui la poussent à se constituer. Et les dépositions des 63 parties civiles venues à la barre doivent faire l'objet d'un examen individuel. Je voudrais aborder la question de la constitution des parties civiles avant de terminer, j'en aurai, je pense, pour 5 minutes. This will take me 5 minutes. Et ce point est important parce que la défense a largement utilisé les constitutions de parties civiles pour tester la fiabilité et la crédibilité des parties civiles. Les demandes de constitution de parties civiles sont des documents qui ont été recueillis par des membres de diverses organisations non gouvernementales. Chaque ONG a adopté sa propre méthodologie. Et a bien souvent mené ce travail alors qu'elle ne connaissait pas le périmètre de l'instruction qui restait confidentiel pendant une grande partie de l'enquête. Ces documents, ces constitutions de parties civiles, qui sont effectivement de qualité variable, n'avaient ni l'obligation ni l'ambition d'être exhaustif sur le fond. Ils devaient simplement identifier un crime dans le périmètre de l'instruction afin de permettre à la constitution de parties civiles d'être admise par le bureau des juges d'instruction. Dans le procès 2.1, votre chambre a tenu compte des conditions de recueil de ces informations et a accordé une valeur probante très limitée à ces documents. Le dossier 2.2 a mis en lumière de nombreux problèmes liés à ces documents et nous estimons que la grande majorité des erreurs contenues dans ces documents ne sont pas de la responsabilité des parties civiles. Nous avons pris acte de ces difficultés en ne présentant à l'audience sur les documents clés que des constitutions de parties civiles que notre section avait elle-même vérifiées. Enfin, nous avons décidé de n'utiliser aucun de ces documents à l'appui de nos conclusions finales. La Chambre devra dès lors répondre à la question suivante. Puisque tout le monde, la Chambre, la Cour suprême, les parties, s'accordent à dire que ces documents ne sont globalement pas suffisamment fiables, dans quelle mesure pourront-ils être utilisés par la Chambre pour entacher la crédibilité ou la fiabilité des dépositions des parties civiles? Monsieur le Président, en guise de conclusion, nous vous demandons de faire une juste application de la loi à la lumière des réquisitions qui seront prises par l'accusation, puisque c'est elle qui mène l'action publique.
the prosecution prosecutes. Nous vous demandons de prendre en compte les preuves fournies à l'audience par les parties civiles lorsque vous examinerez si les faits dont vous êtes saisis constituent des crimes et si les accusés ont commis les faits qui leur sont reprochés. Pour les crimes que vous considérez constitués, nous vous demandons de reconnaître le préjudice subi par le collectif des parties civiles en lien avec ces crimes. Linked to these crimes. Enfin, finally, et pour faire la transition avec la dernière session concernée aux réparations, il convient de rappeler que les textes internationaux considèrent qu'un jugement de condamnation est en soi une forme de réparation. That a sentence in itself is a form of reparation. Nous avons souvent plaidé dans cette salle pour une justice rapide for expeditious justice, qui se fasse dans le respect le plus strict du droit à un procès équitable. With full respect to les accusés sont âgés, to a fair trial. Près de 200 parties civiles sont déjà décédées depuis le début du procès 2. Le dernier plan d'achèvement des CETC indique que vous rendrez votre jugement dans une année. C'est long, that's a long way away. Et pour les parties civiles, c'est trop long. That's way too far. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé much, et nous consacrerons la dernière session à la question des réparations. We'll spend the last session on the issue of reparations. Merci. First, it is now time for break. Le moment est venu d'observer une pause from now until 3 jusqu'à 15 heures. Suspension de l'audience.